Salut l'équipe et bienvenue dans la deuxième partie de la VOD du Best of Sarial. Écoutez, on a repris à peu près juste après, voilà. Et là, on est sur des petits shops où on peut échanger des trucs pour des émeraudes. Ils sont en train de nous dire qu'ils voient pas trop des trucs intéressants. Quoi. Et là, il vient de parler de quelque chose d'assez intéressant que j'ai pas forcément réalisé sur le champ. Il vient de parler d'une cure, d'une guérison, d'un médicament. Et en fait, ça nous a pas fait tilt, mais on s'est dit, ça sent le truc qui va nous être utile plus tard et où on peut pas encore savoir comment. Oh, we're blue team, ok, hello. Dude. Blue. Yeah, bazaar is closed. What should we do? Yeah, Alex, I missed you so bad, my friend. Yeah, I'm glad to see you. Okay. Yeah, sorry. Holy shit. Yeah. I saw that the cure book said like this. Yeah. I wasn't sure if like the new people were. Oh yeah, we found the hospital. They sell cures. Oh. Fucking hell. Right. Let me just. Man, 140 emeralds. Holy fucking shit. Yeah, healthcare. Oh, goddamn. Oh, okay. Dude, I'm staying with Alex. There's no way. There is no way I'm leaving Alex behind. Wait, Thomas, look up there. What is this? Yeah, you saw that? Goddamn. Dude, don't risk your life. Holy shit! Wait, they drop emerald? I didn't know. What the fuck? Okay. Okay, that's interesting. Dude, where? Dude, come back! Holy shit! Don't go alone. Dude, he made me separated for Alex. Dude, I'm not letting you die. What the fuck? Dude, I don't have food. Wait. Holy shit. Don't go alone, my friend. You crazy or something? Holy shit. Are you okay? Do you have food? Because I don't. So. Oh, I do have a little food, but not. Salut. Hello. Okay. Hello. Yeah, we kind of come in peace. To be fair, we don't know how to PvP, so we're fine. What are you doing close to here, my friend? Can we ask maybe? I know you're good at PvP, so I'm not gonna test you. Yeah, right? Spaceship, it's up there, look, man. Oh, you lost the group? Yeah, we lost our group, too. Yeah. Fuck you, I knew it! What? What happened? Thomas a eu la réalisation la plus lente qu'il aurait potentiellement pu avoir à cette révélation fatidique de l'événement MSI Minecraft Dominion. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Oh! Ah! Yeah. Just a bit, but that's okay. What were you sure about it? Ce que ce gentilhomme de mon équipe a essayé de m'expliquer, c'est qu'il pensait avec un autre camarade que la fameuse compagnie CosmoCare allait nous infecter avec une maladie mortelle dont eux seuls avaient le dit antidote, la cure évidemment, et qu'ils allaient nous forcer à travailler pour qu'on puisse se le payer. Oh putain! Of course. Oh, you're French. Yeah. Sorry. Yeah. Et ce qui m'a fait réagir comme ça, c'est que, évidemment, il ne voulait pas aller au fameux mandatory headcount, qui se traduirait en une sorte d'appel auquel on est obligé d'aller. Et il voulait évidemment pas y aller parce qu'il pensait qu'on allait se faire infecter par là-bas. Et actuellement, nous étions seuls. Nous ne savions pas qu'on pouvait communiquer avec l'équipe avec certaines commandes et... Merde, on savait pas s'ils étaient infectés eux aussi. Qu'est-ce qui allait bien pouvoir se passer? Dude, I have nothing! I have legit nothing! Oh I just have things to PvP, man!
And I kind of lied, I'm kind of cracked. Dude, there's people here. Take it. Dude, there's people here. Oh. Wait, it's our team. It's Cubs. Holy shit. Guys, we thought we were alone. Hey, Beta. Dude. Beta, wait, where is he? Dude. Beta, what team are you on? Look at his head, you idiot. I'm colorblind. Dude, red. Nah, because you're a dog, it's red. Okay. Red. I think we're all together now, no? It makes sense. You're present, mate. You can hear me? Just, I don't want to talk to you. Hey, Beta, look, I need to talk to you. Tiger, you're with me. Listen to me, brother. Holy shit. Yeah, are you sure about this, my friend? Because you seem like you were infected, my friend. Okay. Let's fuck him up. Dude, he just locked on. Let's fuck him up. No, PvP is off. Yeah. Icicle pops. He's got some serious ping. You have the worst mic I've ever heard. Are you okay, my friend? Hello? Are you doing okay? Okay. Dude, welcome back, guys. What I said, all right? I will. That's the only way we live. Yeah. You proposed an alliance, sort of me, that's right. Yeah. To start stock. Here's my theory. Okay. Best case scenario. Stop running. I can't. Yeah, stop running, my friend. You're hunger bar. Dude, thank you so much for waiting for me. You're actually the goat. I can't go on because the chunk's unloading for me. Oh, shit, man. Yeah, okay. Oh, there's a red dude here. Salut, hello. You doing okay? Don't you feel a little bit betrayed by the capitalistic company? Very, very bad, but I can take it. Yeah, good luck, my friend. What team are you? We are blue, my friend. Blue. Oh, suddenly I'm red. Yeah, it's okay, don't kill any of you or nothing, don't we? I'm peaceful. Yeah, same, dude. I don't want to kill anyone. The only enemy I have is the fucking capitalistic company, my friend. If I can get it down, I will get it down. Yes. I swear to fucking God, dude. If I can start the revolution, I will be fucking Gavroche. I don't fucking care. I will get this down. But, ouais. Bon, éventuellement, le type a fini par rentrer au campement parce que bon, faut pas déconner quand même, le mec était parti de sa famille, ça faisait 2 semaines, il avait plus vu sa femme, plus vu ses gosses, il y avait rien, enfin bref. Je suis rentré, on a vu évidemment notre pote, hein, notre héros, notre gars sûr. Alex! Alex! Alex, I'm back! Hello everybody, we tried to make the final stage, they come with the wave. I can't understand you. No, everything's okay. No, everything's okay. For me? Dude, this will... Oh, potatoes! Holy shit! Bref, il était l'heure de me faire un peu de bouffe parce que j'avais rien, du coup j'ai pu faire du cactus. C'est mettre du cactus sur un feu de camp et remettre le résultat sur le feu de camp encore. Et ça nous a fait du cractus, j'étais ravi. J'ai pu partir chier entre temps parce que c'était vraiment très très long à cuire. Okay. Une dinguerie, sa mère la tient. Wow! Ok, I'll be fine. Yeah, I wanted to game, I'm a gamer, dude. Such a fucking gamer. Ok, uncooked cactus. Inedible until cooked over a campfire. Ah, il dit to cook it again. Et là, ça y est, là, on parle d'inflation. Là, on parle de prix qui montent, on parle de taxes. Moi, j'en peux plus. Le français qui est dans moi n'en peut plus, d'accord? Donc là, ça y est, là, on entre dans le RP où on en a marre. Voilà, le chat, ça part, c'est parti. On les démonte tout le temps. Prices air elastic, they can drop or rise. Will... Ok. Only rise... Do not trust them. Allez hop, ça c'est dit. Bon, s'en suit évidemment une course effrénée à l'émeraude. Hein. Tout le monde va en avoir, tout le monde va en champer pour dire oui, je vais t'acheter des... Vas-y, je passe là-bas, je vais t'en acheter pour toi et tout. Nanana. Sauf que moi je suis pauvre, une dinguerie, frère. I don't have any... Dude, I'm poor as fuck, I'm French, what do you think? It's okay.
Yeah! Ah damn! Dude, I don't have any, my friend! All I have are my social skills and my huge moustache, man! Bref, à part ça, tranquille, s'ensuit des petits MSC shenanigans, comme j'aime les appeler, c'est-à-dire, bon, apparemment, on essaie d'emprisonner quelqu'un et je comprends pas pourquoi, et du coup, je suis en mode, vas-y, t'inquiète, au pire, je suis emprisonné avec toi, on va trop s'éclater une dinguerie, genre. Dude, you will have the best company. This is like me. Dude, we are so bad at PvP, we will not hit anybody. I mean, like, you can go with her, but. Run! Don't be stupid! Dude, I'm gonna cry right now. Holy shit! I don't wanna be evil. I don't. Dude! Kidnapping people. Dude, the only enemy is the fucking company. Why are we kidnapping people? Yeah, why are we kidnapping people? Like, on, we. I agree with the French man. Okay! Yeah, tu es libre, Lily, tu es libre. Voilà, on en avait ras le cul, encore le français dans moi qui parle, et j'en suis fier, bordel, j'en suis fier. On la libère, et ça va devenir une légende, j'en ai rien à faire. Et puis Lime, fuck Lime, d'accord? Fuck Lime! Lime. The only enemy is the company, and we need to, like... Yeah. Why are we trying to make ourselves the enemy? None of you understand. That's absolutely fine. Look at me in my own eyes. You are welcome to our base anytime if you need anything, okay? It's really important to remember that you're the GOAT. Look at yourself in the mirror every morning and tell yourself I'm a fucking legend, okay? Now you just go and make. Hey! Ça a pêché une dinguerie. Yeah, kind of. There's like full stuff people and just like. Give me your pants, man. No, that's fine. I'm naked, give me your pants. Sure, have my pants. Dude, you're such a fucking goat, my friend. You are all about... Dude, Dude, give me your pants fucking now, dude. Hey, Mallow, you were right. Yeah. I mean, I'm frustrated. I'm very frustrated. Not at you, at the people. I do have to say, I did go. Oh, what is that encore? Non, ça? Oh, pas grand chose. Simplement la chose qui va lentement lancer la révolution dans l'esprit de Thomas. Regardez un peu ça. Ok, I have a plan. Oh là là, il parle beaucoup, celui-ci, c'est pas vrai. En gros, je leur dis que, bon, bah, il y a trois spawners, il y a trois équipes, des spawners item, entre autres. Et donc, et si on s'alliait et on mettait tout en commun les ressources des fameux, des 10 spawners, quoi? En fait, je peux aller voir en tant qu'émissaire l'équipe des rouges parce qu'il y a Mudclip et l'équipe des verts parce qu'il y a Lily qu'on a libéré tout à l'heure. Donc, ça se fait, ça se fait. To try at least to go to the other teams. C'était décidé. Avec Alex, nous allions être les petits fanions de la révolution. Et nous allions avoir, après tout, qu'avons-nous à perdre? Je sais pas pourquoi je prends cette voix. We'll see what we can do. And we'll try to, like, share the item. Excuse me, Tiger, pardon my intrusion, but did you buy the talkie-walkie? Et stop! Qu'est-ce que c'est que le talkie-walkie? C'est tout simplement quelque chose qui nous permet de slash MSG, donc de MP en fait, quelqu'un dans le jeu. Ce qui m'a fait me rendre compte d'un petit truc, quoi. Ok? This is kind of goated. Ok. Can you message people that don't have the talkie-walkie? Try to message me. Ok. Ok, this is kind of goated, we don't even have to go there. Ok. I need you to message Chili Lily, ok? I need you to message Chili Lily, and you say, message from Moustache Man, French Man, Don Thomas. Thomas. Et là, le type se transforme en prof de dictée, il fait la dictée ou quoi, la team? Putain. Ah, thinking about sharing the resources. If you are okay with that,
feel free to come to our base. And she will know we won't imprison her because we would have done it already. Actually, we did it already. Okay, tell me when you sent it. And we're gonna MSG mud clip now. MSG mud clip, which is another thing. You don't like mud clip? I like him, so it's fine, don't worry. Okay. And now we wait exactly. So, dude, the talkie-walkie play is kind of goated, to be fair. Et voilà, la machine était lancée. Bon, c'est ce que je me disais. Mais quelques dizaines de minutes plus tard, alors que la maladie m'envahissait encore plus et que j'entrais un peu en phase terminale, on va pas se mentir. Voilà ce qui s'est passé. Oh, oh, dude, hello. Dude, hello, guys. Wait, shush. We're going. You actually came? Okay. Oh, you guys are here. Holy shit. You guys have food healing? No, wait. No. Did you come for the spawner thing I told you about? What? We're planning to like, I proposed. Let me just think about something. Just a bit. We thought about something. Les mecs expliquent encore une fois qu'il veut faire sa révolution en s'alliant avec tout le monde. Get someone to give us one remedy each and we'll see, dude. This is all we need and then the game will be over. Honestly, if we can just spend the revolution with them, that's okay. Hello there! Oh, do you have... Please! I was worried. I was told to come here. Dude, yes, and thank you so much, I'm here. I bring a thank you. Dude, thank you for coming on God. I'm about to die. I don't know if you can see that, but I'm kind of. Dude, do you have a cure, dude? Dude, you're the goat. Dude. Take this. Yeah, I wasn't ready. Oh, I can see. Oh, see. Hello, guys. Hello, I don't mean to interrupt anything. Can I really come real quick? Yep. Okay. I was with your mate Shotgun right here. I was discussing with him how we are totally okay with like doing a treaty with all the items. You have any? I have what? Any information? Information about what? Anything you want to share with us? I don't know, because basically our honestly, the clue, as you want. Honestly, as you want. Et donc là, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'il y avait des structures à droite à gauche où il y avait des espèces d'indices avec des coordonnées et avec quelqu'un qu'apparemment on devrait retrouver qui s'appelle Doug, D-O-U-G. Et vous allez voir que en fait, on va pas tarder à apprendre à connaître ce type. Ok. Okay. You have to yell at Sam and I'll jet. Oh, cute. Yeah, Dog is like we don't care. Oh, dude, Dog, we're here. Okay. Dude, we are up. Everybody is allied with us. I have talked with every team. They are all with the same with us. Dude, I've talked with everybody. They are all MPing me. Vive la révolution. We are fucking them up, okay? We are fucking them up right now, okay? Let's fucking go. Vive la révolution, putain! Vive la révolution, bordel de merde! Let's go! Bon, on va se calmer un petit peu, même si, j'étais un peu... Ouais, bref. Donc Dog nous envoie quelques petits messages, il nous dit qu'il y a un marché noir qui traîne à droite à gauche et ils vendent des choses en diams. Mais si Cosmo Care nous voit avec du diams, ils essaieront de nous exécuter. Mais vont-ils seulement réussir? Ben c'est ce qu'on va voir la team. Et d'ailleurs, en parlant de team, je viens de découvrir la commande slash team MSG qui permet de DM toute sa team, peu importe où est-ce qu'on est. Ça pourrait être bien pratique, ouais, pour savoir si Alex est en vie. Et d'ailleurs... Eh ben il l'est, de peu. Berlin, slash team MSG. Kurde. Ah, the RP is giving me, yes. Kurde.
Ah non, il est pas encore kurde. Hello, dude. Yeah. Dude, I could use a cure for Alex, dude. He's gonna die on us and I wouldn't bear that on me. Dude, you're a fucking goat. Ok. Ok. Comme... slash... Team MSG, where are you at? And... I don't know. Thomas. Alex! Dude. Thank you so much. Dude, take this. Okay. So, black market, I don't know how much is it, to be fair. I have like one emerald. Dude, take it. I will not do anything about it. Oh, yeah. I have the 12 emeralds. Bref, la révolution se passe super bien, il faut être vraiment, vraiment fou pour commencer à se taper dessus entre nous alors qu'on aurait possiblement aucune raison pour faire ça, hein, les gars. Dude, Bean, what the fuck is going on? What the fuck, dude? This many people alive. Any rights and people who can't sustain themselves need to die. No, wait, please. Wait! I'll buy myself one. Please, okay, I'm begging how much, you. How much? I have 14 right now and I plan on getting more. I'm begging. Ouais, donc ce que Binao a dit en gros, c'est que si les gens ils peuvent pas subvenir à leurs propres besoins, et ben il faut les fumer. Sauf que j'ai pas compris parce que ben, s'ils subviennent pas à leurs propres besoins, c'est qu'ils utilisent pas de ressources. S'ils utilisent pas de ressources, ben t'en fais plus pour toi. Donc bon, je comprends pas trop, mais voilà, ils tuent des gens. Dude, what is going on? I'm a ghost! I will hunt you for the rest of your days, be now for this! You just killed Pikmin! Oh, you know, oh! What? Wait, no, it was slain by Truspira? Truspira! Help us, he was playing his part. What the hell? Dude, what the fuck is going on, dude? Hey, you just happen to have a few emeralds. Dude, dog, I just need food, man. Oh, he didn't have a big action. Okay, I think we're gonna have to save. Yeah, I think. Dude, yeah. Let's fuck out of here. Our way back to the bar. Yeah. Dude, Alex, let's fuck out of here. Yeah. We need to grab food first. We're Évidemment, on n'était plus en sécurité. Ici, il y avait des gens un peu instables. Donc on avait peur pour nos vies, donc on a décidé de se tirer de là. Avec Alex, on a fait bande à part. Éventuellement, on a fini par intégrer un autre groupe avec d'autres gens. Et on a commencé à miner énormément. Donc je vais beaucoup passer, ça va aller très très vite, hein, préparez-vous. Je vais beaucoup passer de moments. Parce que là, il va pas se passer grand-chose. C'est basiquement des allers-retours et juste du minage, quoi. Donc c'est pas fifou. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était bien... Ouais, 1h du mat, un truc du style. Donc ouais, c'était pas mal, là. Et donc là, je viens de... À la place de son livre qu'il a pris dans les mains, la confusion que vous avez vue sur mon visage, c'est que j'ai cru qu'en fait il avait un remède, alors qu'il m'avait dit qu'il en avait pas sur lui. Et du coup, ça a commencé à faire des trucs bizarres dans ma tête, quoi. Bref, c'est le début de la fin de la VOD. Il va commencer à se passer des trucs toujours plus incongrus les uns que les autres. Je suis démonté. Du coup, mon accent ça a étrangement re-switché sur mon accent anglais plutôt que mon accent français, ce qui est assez étrange parce que c'est pas celui qui me viendrait naturellement, du coup, je suppose. Enfin bref, voilà ce qui s'est passé là. Huh? Wait, we have infinite hunger. Sorry. Yeah, it's at the world border and everything. Alex, I don't want to put some doubts out there, but I'm pretty sure I got a clip of you putting out a cure down there, and I don't know, I might have seen some things, but... You want a screenshot of my inventory? No, that's fine, you mean I do not have a cure in my inventory.
Okay, okay, that's fine. I believe you. Like, man, we do not need discourse between us right now. Yeah. That's the only thing we can trust, you know? So I was like, I saw that. I was like, that's weird. And I was like, okay. So let's go buy one. Okay. I'll deposit a bit of shit there. I guess I won't need that bow. I don't have any arrows. No, I'll keep it. Okay, let's go. I know, I have enough emeralds to go buy myself a gear, and since the, I don't have one on extra on my hand. Une fois de plus, Alex et Toto se séparent. Alex va prendre son cure, et puis Helix, un des types de notre groupe, a dit qu'il pensait que c'était que j'avais plus de valeur à rester ici et garder un peu le camp que d'accompagner Alex. Mais ce ne fut que quelques minutes plus tard que la fin débuta réellement. Oh! Holy shit! Holy shit! Diggy? Yeah? We're getting diamonds. Let's do it. Yeah, let's do it. Yeah. Should we rush it on... Should we rush in on Alex to see how it's going? Did he get a cure or something? Plus de cure. C'est terminé. Finito. Là, ça sentait un peu la bataille de boss final, hein, on va pas se mentir. Et c'est un peu ce qui a commencé à se passer, mais bon, désolé, la bataille va être un peu anticlimactique parce que je sais pas si vous voyez ma barre de faim qui commence à baisser légèrement. Bon, regardez un peu ça. Yeah, I kind of got no hunger. Can I get on the camel, maybe? Do you have hunger? Dude, you're the goat, dude. You're the goat. I have no food, dude. I have nothing. I'm gonna drop some practice for people. This is the end. I don't need my food. I'm on full. Okay, I can't take that food. It's gonna get wasted, I think. Whoever can grab it. Okay. Well, yeah. Okay. What do you mean it's the end? Flies. There's no more cures. Yeah, right, yeah. That's kind of... We're all dead in a few days if we don't do something. Yeah, that's gonna be hard. Je vais aller aux vaccins. I will take this fucking notebook. Hello there! I might as well ask, can I get that? I'm kind of low on everything. If I can't, that's fine, you know. I'm okay with that. But if I can, you know, that's cool. I'm cool with that. Hey, come on. Okay, I'm cool with that. You know, might as well ask. You know, you never know. Les amis, la fin arrive à grands pas. Voilà 15 minutes condensées de moi qui demande de la bouffe à des gens et qui la perd parce que y a la faim à l'infini. Et je crois qu'on arrive au moment fatidique, malheureusement. Ok, bye guys, I love you so much. Ah, this is it. C'est la fin. C'est la fin, la team. Oh, j'ai été ban. Je peux pas. C'est la fin. Y'a pas de spectate. Quoi? I died. No spectate. Et ouais l'équipe, ça y est, c'est la fin. Du coup, si vous voulez voir la fin de l'histoire quand même, bon, à l'heure actuelle, sa vidéo est pas sortie, mais je vous conseille d'aller voir la VOD de Chilleleli, qui va être super cool. J'en ai vu des petits moments, ça va être très très sympa. Et elle est arrivée un peu plus loin que moi et du coup on voit la fin du jeu de là où elle est, donc régalez-vous. En tout cas je vous dis à la prochaine, moi de toute façon je me suis éclaté sur Steven, du coup il y en aura sûrement des nouveaux. J'en ai filmé un autre mais il était un peu nul, donc je vais peut-être mettre la VOD comme ça et puis zou quoi. Donc voilà. Allez, gros bisous à tous hein, la team, salut hein, salut.